Et coucou, comme promis depuis déjà un très long moment, je vous fais un rapide petit room tour. Alors, j'avais prévu de faire les peintures de la pièce, finalement, on n'a pas eu le temps et ce sera pas pour tout de suite. On a la peinture, mais il faut juste prendre le temps. Mais je vous montre quand même déjà mon petit espace de travail. Alors, ici, vous avez mon bureau, donc sur lequel je crée, je scrape. Je pense. Donc voilà, avec mon bras pour filmer, mon petit matériel de base. C'est un bureau assis debout. Alors moi, j'ai pas la version électrique, tout simplement parce que mon mari va me la faire lui-même. Il est électricien, donc lui, ça lui pose aucun problème. Et tout ce qui est électronique et tout, il touche aussi. Donc il aime bien. Il faut juste qu'il prenne le temps de me le faire. Donc avec mes petites étagères, là, ce sont des, comment on appelle, des coffrets avec tout ce qui est décoration d'albums, etc. en métal, donc les charms. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est celle qui va vers le haut. Ça s'ouvre là. Et ici, vous avez plein de petites boîtes avec, voilà, des compartiments comme ça. Donc ici, c'est tout ce qui est charms. Et je pense attache, vous voyez. Et alors à côté, il y a tout ce qui est dans celle-ci, c'est plutôt les attaches parisiennes. Et alors en dessous, les boîtes du dessous, c'est plutôt pour les pieds, les poignées d'albums et des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors le haut, ce sont des coffrets aussi, comme ça, dans lesquels il y a aussi plein. Donc c'est des coffrets comme ça. C'est pas facile parce que je filme avec une main et je vous montre avec l'autre, donc c'est vraiment pas facile. Ma petite tasse de café, bon ça c'est pas utile de le voir, mais voilà. Ici j'ai un petit pot normalement qui est prévu pour mettre une pelote de laine, mais moi je l'utilise pour mettre mes petites pinces que j'utilise très souvent en scrap. Donc ça c'est un petit support normalement que j'utilise en macramé, mais bon voilà. Ça c'est un support mural que j'ai acheté sur Craftelier. Pour pouvoir y mettre des blocs 30-30. Alors on ne sait pas y mettre grand chose dedans parce que ben il supporte pas beaucoup le poids. Mais pour les projets en cours et entamés, je trouve que c'est pas mal. Pour les avoir à portée de main, parce que la seule chose que vous ne verrez pas dans cette pièce-ci, c'est ma réserve de papier de collection. J'ai pas la place ici, donc c'est resté en bas dans la véranda, dans la pièce dans laquelle j'avais ma scrap room avant. Alors on passe à. Ici, vous avez dû voir déjà l'étagère avec toutes mes Distress. Alors, j'ai toute la collection des Distress Oxide. Je suis une grande fan des Oxide. Donc, j'ai vraiment toute la série. Il m'en manque une, je pense, que j'ai pas encore achetée. Ici, j'ai quelques pads Stampin' Up. Voilà. Après, je les utilise pas tellement souvent, bizarrement. Donc, ici, j'ai un meuble qui vient de chez Ikea. Avec donc de grands tiroirs comme ceci. Avec là, ici vous avez mes archivals, les Distress Ink en mini pad, mes Versafine, Versamark, les Stazone, etc. Ce sont les encres que j'utilise moins, mes doigts mousse. Ici en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Le reste de mes Stampin' Up. Alors ce sont des pattes d'encre Action, je pense, mais franchement, c'est pas terrible. Mes blocs acryliques. Mon nettoyant pour encreur, etc. Ici, c'est du papier. Là, ce sont mes papiers pour faire mes fleurs avec mon matériel Hertfeld. Alors là, c'est tout ce qui est poudre à embosser, petites perles. Voilà, donc ça, c'est un tiroir comme ça. Ici, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? J'ouvre pas tout le temps, hein, donc je suis même pas. Ma Canon Selfie pour imprimer mes photos. Mais. Comment on appelle ça encore? Oh là là, je le dirai mille fois. Mes mousses Nuvo, voilà. Mes tampons, enfin bon, voilà. Un peu de tout. Et en dessous, il n'y a pas grand-chose. Un cadeau d'anniversaire que j'avais reçu d'une de mes collègues. J'avais acheté le cutter circulaire Vason Creative, une réserve de lingettes. Donc voilà. Alors, de ce côté-ci, c'est un meuble. Ben, en fait, tous les meubles à la base viennent d'IKEA, sauf que moi, je ne les ai pas tous achetés neufs. Celui-ci. Ça, il est neuf. Mais tous les autres, c'est des meubles que j'ai trouvés sur Marketplace. Hein, parce que moi, je suis un peu pour donner une seconde vie aux choses. Donc, quand il y a moyen de faire, d'une part,
des économies et redonner une seconde vie aux choses, bah, je suis pour quoi. Alors ici sur le côté, c'est ma table pour mettre mon ordinateur quand je suis dans mon fauteuil ou dans mon lit. Là, c'est les pieds d'une table d'appoint. Alors mon pistolet à colle, mon heatgun. Bon, je vais pas ouvrir tous les tiroirs non plus, hein. Donc là, il y a qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça c'est tout mes comment vous appelez ça encore? Les masques, les pochoirs et tout ça. En dessous, je sais plus. Ah oui, toutes mes. Allez. Vous voyez, les trucs pour faire les enveloppes, là j'ai pour faire les boîtes à explosion et tout ça. Ah bon, voilà. Dans chaque tiroir, il y a des choses qui sont rangées. Ça, c'est tout ce qui est pistil pour faire mes fleurs. Et alors, ici, c'est principalement des éléments de décoration. Je vous montre un ou deux tiroirs comme ça. Donc là, j'ai mes petits éléments que je mets souvent en décoration sur mes couvertures d'albums, mes petites perles et tout ça, vous voyez. Ici en dessous, ben, c'est des images crochetées que j'ai déjà préparées, des rubans de perles, de la déco. Bref, voilà, ça c'est vraiment, vous voyez ici que de la déco, des feuilles cartonnées de couleurs. C'est vraiment un meuble avec principalement des éléments de décoration. Alors ça, c'est ma première Big Shot électrique que j'ai eu tout au début, que je scrapais. Là derrière, c'est un classeur. Ça, je vais vous en parler quand même. Je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. Alors, c'est pas moi qui en ai eu l'idée. J'ai trouvé l'idée sur la chaîne d'une autre scrapeuse dont je ne me souviens plus le nom. Mais si je retrouve le nom, je vous mettrai son lien en barre d'information. Et j'ai fait un nuancier de toutes mes encres Distress. Alors, je suis censée faire un nuancier avec mes encres Archival et tout ça. J'ai pas encore pris le temps. Là, pour l'instant, je me suis arrêtée aux encres Distress parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc, voilà, par couleur, avec le nom des couleurs. Ça me permet quand je fais surtout des fleurs, parce que c'est surtout pour quand je fais des fleurs. Si je dois réaliser des fleurs dans une certaine couleur, ça me permet de pouvoir mettre les papiers du nuancier l'une près de l'autre, à côté de mes papiers de collection et tout, pour voir ce qui s'accorde le mieux. Alors là, j'ai tout mon matériel télévision et tout que mon chéri m'a gentiment installé. Alors ici, c'est mon trolley, c'est mon meilleur ami. Donc ce trolley, il me suit tout le temps quand je scrape. Donc c'est-à-dire que si je le tiens à l'endroit, c'est mieux, hein. Ici, j'ai les perfos que j'utilise le plus souvent. En dessous, j'ai tout ce qui est réserve de colle, lingette, double face, etc. que j'utilise assez souvent aussi. Au-dessus, bah, c'est tout ce qui est paire de ciseaux, stylo à paillettes, les doubles faces, du papier collant, des post-it pour prendre des petites notes vite, vite comme ça, les cutters. Donc voilà, c'est un trolley, voilà, je l'adore. C'est vraiment. Alors celui-là, c'est le trolley Action. J'ai aussi le trolley qui vient, donc la rascoque qui vient de chez Ikea, mais elle est en bas avec tout mon matériel de micro-macramé, parce que pour celles qui ne le savent peut-être pas, je me suis mis au micro-macramé il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai racheté ce trolley-ci pour mettre le matériel de scrap qui est moins lourd, parce que ce trolley-là par rapport à l'autre, vu que moi j'ai les deux, je peux comparer, de un il est plus étroit et il est beaucoup moins solide. Je trouve que le trolley Ikea est beaucoup beaucoup plus solide. Bon, évidemment le prix n'est pas le même, hein, ça on va pas se le cacher, mais voilà, c'est quand même pour moi la grosse différence. Et alors celui-ci, les paniers là sont un petit peu plus étroits que l'autre. Alors là, je me suis fait un coin avec donc tous des, comment on appelle, des casiers comme ça qui viennent de chez ces boîtes là, ça vient de chez Action. Donc avec dedans il y a principalement mes rubans. Mes rubans, mes dentelles, ceux que j'utilise le plus. Et j'avais quand même envie d'avoir des petits souvenirs dans ma scrap room, parce que ben, la plupart des albums et des cartes et tout que je reçois se trouvent en bas dans ma pièce de vie. Et aussi parce que par manque de place ici, j'ai privilégié le matériel, évidemment, puisque c'est ma pièce où je crée. Mais j'ai quand même mis, ben, déjà mon album que je viens de terminer en partenariat, ainsi que ce petit album-ci que j'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps. Et alors, ben, des décorations que j'ai reçues de ma scrap copine, de ma scrap copine.
Kenya, voilà, Kenya. Donc ça, c'est une jolie carte que j'avais reçue de Marilyn pour mon premier partenariat. Ça accompagnait le partenariat. Ça, c'est toujours Kenya. Ça, c'est une jolie carte d'anniversaire que j'ai reçue de Kaina. C'est l'admin d'un groupe de scrapbooking belge. Ça, c'est toujours Kenya. Et ça, c'est un des tout premiers petits albums que j'ai fait quand j'ai repris le scrap il y a... Oh, ça doit bien faire deux ans et demi maintenant que j'ai repris le scrap. Donc voilà, un des tout premiers albums que j'ai fait quand j'ai recommencé. Un petit mini pour me relancer. Parce que ben, après 7 ans d'arrêt, fallait que je me remette un peu dans le bain. Ça, c'est tous les paniers qui concernent mes tampons clear. Alors bon, les papiers sont un peu effacés à cause du soleil, mais en fait, ils sont tous répertoriés dans ces deux classeurs-là. Si vous voulez, je vous ferai une fois une revue là-dessus, comment j'ai fait mon classement de tampons. Parce que vous savez que quand on a énormément de tampons, on finit par plus trop savoir ce qu'on a et où ils sont surtout. Et quand on a besoin d'un tampon, bah, parfois, juste se dire « Oh là là, où est-ce qu'il est ?» on se dit « Ah ben tant pis, ce sera pour la prochaine fois. » Et au final, on n'utilise pas notre matériel. Donc moi, j'ai répertorié mes tampons dans ces deux petits classeurs ici, et ça me sert vraiment pas mal. Ici, c'est tout ce qui est classeur d'embossage pour machine. Après, je vous avoue, moi, les classeurs d'embossage, c'est pas le truc que j'utilise le plus. Alors ici, j'ai la nouvelle Big Shot, la Switch, quoi, que j'utilise tout le temps. Alors ça, ce sont tous mes massicots, ma table de dénurage, voilà. Et je les utilise tous, hein. Pour des raisons différentes, mais je les utilise vraiment tous, quoi. Donc, ils sont complémentaires pour moi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. D'ailleurs, la version Timolt, j'ai le grand, mais il est en bas. Mon mari doit me le réparer parce que la lame a bougé, donc il doit tout me réparer. Enfin, bon, bref, voilà. Mais j'ai celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je l'adore. Il est vraiment très, très bien. Ceux-là, le problème, je trouve, c'est qu'avec le temps, ils deviennent de moins en moins précis. C'est déjà mon deuxième Vasen Creative. Et j'avais acheté, bah, en tout début que j'avais recommencé le scrap, j'avais acheté le Action, celui-là laisse tomber, c'est même pas la peine. Mais le Vasen Creative, après quelques mois d'utilisation, je trouve que voilà, au niveau de la lame de coupe et tout, il y a un gros décalage d'un millimètre au moins. Et donc bah, quand on le sait, on en tient compte, mais c'est un peu chiant. Et le problème des tables ici de rainurage pour moi, c'est qu'elles sont pas assez précises. Elles sont pas au millimètre. Donc c'est pour ça que ben, j'utilise vraiment tout. Et je vous montre le gros massicot Fiskar en dessous. Celui-là, ce qui me dérange, c'est le manque de précision là au niveau du centre. Donc, je l'utilise pour les grandes découpes parce qu'il est hyper précis et surtout, c'est une lame rotative donc qui ne souffle pas. Elle s'aiguise elle-même. Donc, voilà. Par contre, quand j'ai des découpes à faire qui sont plutôt entre le 14 et le 15, parce que c'est ça mon problème, alors j'utilise majoritairement mon massicot Timolt. Et si vraiment, vraiment, parce que celui-ci, c'est la version petite, si vraiment avec celui-là, je m'en sors pas, je finis par quand même prendre le Vasen Creative, mais alors je dois tenir compte que j'ai un millimètre décalage. Et bon, si vous voyez une règle en métal ici, c'est normal, c'est mon mari qui m'a fait ça. Et franchement, ça me sauve la vie parce que le gros, gros souci pour ces instruments-là, vu que ce sont des instruments américains, je trouve que le millimétrage est vraiment pas bien fait du tout. Quand on met son papier et qu'on veut être précis, c'est presque impossible si vous ne rajoutez pas vous-même un élément. Donc mon mari m'a rajouté cette règle. Il a vraiment bien fait ça parce que c'est pile, pile, pile bien positionné. On a vraiment, il a fait des tests et tout avant donc pour que ce soit nickel. Heureusement que j'ai un chéri qui est majoritairement débrouillard. Il touche à tout. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Alors là, on arrive à mon coin Hertfeld. Alors je suis désolée, hein, c'est le coin d'une scrapeuse. Donc tout n'est pas bien rangé, comme vous pouvez le constater. Donc ici, c'est tout ce qui est... dies, donc qui sont rangés dans les boîtes que j'ai achetées sur 4 ans scrap. Alors oui, c'est un investissement. Alors ça, par contre, j'en ai acheté une planche et puis j'ai été au magasin d'outillage du coin. J'ai acheté une grande planche et il me les a toutes découpées à la même longueur. Le prix d'une planche pour faire tous les intercalaires bois m'a coûté le prix d'un intercalaire sur la boutique. Hein, je ne vais pas le cacher.
Les boîtes là, limite mon mari aurait pu me les faire aussi, mais bon, voilà. Et alors j'ai investi dans les pochettes avec les, comment on appelle là, les feuilles aimantées de chez 4 en scrap. Et j'en suis hyper contente parce que j'ai essayé plein d'autres systèmes avant de mettre ce système-là en place. J'avais investi dans des pochettes avec des feuilles aimantées que j'achetais sur Amazon. J'ai jamais trouvé de feuilles aimantées qui tenaient correctement mes dies. Ça finissait toujours par glisser. Enfin bon, c'était vraiment. Moi, ça ne me convenait pas. Peut-être que j'ai pas trouvé les bonnes feuilles aimantées. Je suis tout à fait d'accord, mais en tout cas, moi, comme ça me convient. Et donc, ça, ce sont les derniers achats de dies festonnés que j'avais achetés sur AliExpress, dont j'avais fait normalement une revue. Et voilà, en gros, toute ma collection Hertfeld. Oui, je sais, j'en ai vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais je suis vraiment contente de les avoir, sachant que maintenant, la boutique. Enfin, la marque, en tout cas, arrête d'ici la fin de l'année. Donc, moi, je suis contente. J'en ai beaucoup, j'en ai même de trop parce que je ne vous cache pas qu'il y en a certains que j'ai jamais utilisés. Et donc, il est possible qu'à un moment donné, je refasse un tri. J'avais déjà fait une première fois une vente. On m'en avait acheté deux, trois. Et il est possible que quand j'ai une fois le temps, je refasse de nouveau une petite vente d'articles de scrap. Mais pour le moment, je n'ai pas le temps pour ça. Donc voilà. Alors ici en dessous, ce sont des bureaux en fait de récupération hein, que j'ai trouvé sur Marketplace, mais il y a déjà un moment, dans lesquels j'ai rangé un tas de choses, et en dessous des bacs en plastique dans lesquels j'ai aussi rangé un tas de choses. Bon, j'ai pas spécialement envie de vous ouvrir tout. Je vous montre un peu de loin ce que ça donne. J'ai quand même un bel espace de travail. Hein. Bon, c'est pas aussi grand que la pièce que j'avais en bas. L'avantage, c'est que je suis au calme. Et j'ai pas trop de poussière ici parce qu'avant je scrapais dans ma véranda qui était vraiment porte ouverte sur le jardin. Et je vous cache pas que c'était compliqué la poussière. Ça générait énormément de poussière. Et voilà. Donc voilà. Bah écoutez, ce petit room tour, tout mini mini, hein, parce que je suis pas rentrée dans le détail de tout. Mais ça vous donne une idée de mon endroit. Allez, je vous dis à très vite. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.